Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette des feuilles de briques faites maison. Alors, pour commencer la recette, dans un saladier, vous allez mettre une mesure de semoule, une mesure de farine, une petite pincée de sel et deux mesures d'eau, c'est-à-dire vous utilisez un verre pour toutes les mesures. Ensuite, tout simplement, vous allez mixer avec votre blender ou votre mixeur plongeant, comme sur l'image. Et puis, à l'aide d'un pinceau, vous allez venir étaler la pâte finement sur une poêle chaude. Mettez un feu moyen pour pas que ça cuise trop vite et surtout pour pas brûler votre pinceau. Et voilà, on étale tout simplement sur la poêle en forme de cercle. Ensuite, on va laisser cuire un petit moment jusqu'à que ça se décolle tout doucement. Et on va venir décoller délicatement la feuille. On la retourne, on la laisse quelques secondes. On la laisse vraiment pas très longtemps pour pas qu'elle sèche. Et ensuite, on va venir l'enlever et la déposer sur une assiette. On continue avec une seconde feuille de brique.
Et on n'oublie pas, entre chaque feuille de brique, on vient y déposer de l'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. C'est une étape qu'il faut surtout pas oublier pour pas que vos feuilles de brique collent entre elles. Et on fait pareil avec toute la préparation de pâte. Et voilà le résultat des feuilles de brique. Avec cette quantité, j'ai pu faire 8 belles feuilles de brique. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite un très bon Ramadan 2020 malgré le confinement. Espérons que tout se passe bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!